Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le code Wi-Fi là? J'arrive plus à me connecter. Non mais ça va pas ou quoi? J'ai cru que c'était une urgence moi. Mais c'est une urgence. Bon alors c'est parce qu'en fait on a changé le nom de la box avec ton père. C'est Marignan. Marignan? Mais c'est quoi ça? Bah justement c'est pour que tu saches. Non mais c'est quoi ce délire? Bah le délire c'est quand même que t'as 4 depuis le début de l'année en histoire, donc tu crois pas qu'on va abandonner aussi vite. Mais c'est bon, vas-y, donne-moi le mot de passe, j'ai pas le temps de jouer là. Non mais c'est là où ça devient vraiment très drôle, chérie. C'est que le mot de passe, c'est la réponse. Petit indice, c'est une date. Et vous êtes taré hein. Marignan. Maintenant tout le monde se rase, tout le monde s'épile, y a plus un poil nulle part, et vous vous étonnez de devoir aller sur internet pour trouver l'amour. Ah, mais je savais pas moi, heureusement que t'es là. Paul, je voulais te demander... Ah, bah tu tombes bien. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu savais toi que les poils ça sécrète une hormone sexuelle qui attire le sexe opposé? Oui. Non, enfin je sais pas. Eh bah merci de m'avoir prévenu, t'es censé me dire ces trucs là non? Ouais. Mais heureusement que t'es là, hein, mamie. Non, mais c'est vrai, ça, Isa, quand même. Bien sûr. Et alors, du coup, je comprends pas pourquoi tu découpes. Bah, parce que je vais en semer un peu partout au lycée. Après, je vais attendre, je vais laisser mariner. Et je fais le chemin en sens inverse. Et zbra! Des filles amoureuses partout. Et le polo, bah, il a plus qu'à emballer. D'accord. Un peu comme le petit pousset, quoi. Ouais, un peu, ouais, mais un beau gosse, quoi. Oh non, mais il est génial. Oh non, mais je passe des journées ici, moi. Ah non, je suis vraiment contente. Mais. Tiens, mon chéri. Mais non, là, regarde, là, t'en as un énorme, là. Alors là, si j'arrive pas à pécho... Bon, bah, vu que j'ai oublié le papier avec toutes les références des ampoules, j'ai pris un peu de tout, hein, pour être sûr de pas me tromper. Non, mais t'es sérieux, Léo, là? C'est bien d'avoir des ampoules en réserve, ça peut toujours servir. Ah ouais? Un spot pour éclairage piscine et jacuzzi, ça peut toujours servir? Une ampoule LED disco, ça peut toujours servir? T'as l'intention d'ouvrir une boîte de nuit dans le salon ou quoi? Et puis un tube halogène rouge comme ça, ça peut toujours servir aussi? On a plein de lampes halogènes ici, attends, regarde. Tu vois? Tu vois, c'est stylé, c'est rouge. Super sympa, t'as raison, puis en forçant un peu, tu vois, ça risque de rentrer. Je pense qu'a priori, on va y arriver, Léo. T'as de la gelée dans la tête ou quoi? C'est quoi ton problème? Pas besoin d'être désagréable, hein. Moi, si j'y suis allé, c'est juste pour te rendre service, hein. Mais si t'es pas content, t'as qu'à y aller toi-même. Mais tu me parles pas comme ça, déjà, pour commencer, hein? On peut rigoler. Papa. Je fais quoi? Exactement. Je suis pas ton pote. Tu sais? Je suis ton père. Non. Si. Non, t'es pas mon père. Je suis ton père. Léo, tu restes là. Tu vas te faire mal à la gorge. N'importe quoi, je vais... Tu restes là. Je le fais hyper bien. Eh, je suis bon. Eh oh, je suis pas bon. Oh. Non mais c'est bon là, arrête. C'est bon, c'est bien drôle, mais bon, allez là, donne-moi le mot de passe.